Chérie, je suis rentré. Et je suis passé chez le libraire. Ah oui, j'oubliais, je suis célibataire. Ah, voyons ce que donne ce roman graphique. Eh bien, qu'est-ce que c'était chic? Je dois immédiatement en parler à mon frangin. Allô, frérot, j'espère que je ne te dérange pas pendant ta séance de bilboquet. Faut absolument qu'on cause de cette bande dessinée. De quoi parle-t-elle, dis-tu? Eh bien, c'est l'histoire d'une jeune fille qui... Allô, Bois 2? Tu es là? Que fais-tu? Quel sacré bout en train! Faut toujours que tu ailles trop loin! Nous voilà prêts à chroniquer cette fameuse œuvre illustrée. Tu veux dire, me voilà prête! Ah, si j'avais vraiment des seins, j'arrêterais pas de la regarder! Salut les BDphiles, c'est Boisdin, j'espère que vous êtes équipés de votre baguette et que vous n'avez pas peur des bêtes, car on va parler de Courtney Cremeray. Une femme de caractère. Elle a 8 ans. Une fille de caractère. Créée en 2002 par le dessinateur américain Ted Neyfey, la BD Courtney Cremeray est tout de suite un succès. Elle est même nominée aux Eisner Awards de la meilleure série dès l'année suivante, face à la putain de ligue des gentlemen extraordinaires de putain d'Alan Moore. Et le prix Eisner, c'est pas de la dope, c'est un peu les Oscars du comics. Dis n'importe quoi, les Oscars c'est international, donc ta comparaison ne fonctionne pas. C'est plutôt comme les Césars des comics aux États-Unis, si tu veux être exact. Non mais les gens ont compris, c'est une grosse récompense quoi. Mais le Ted il a galéré avant d'en arriver là. De 1990 à 97, il illustre des projets BD auto-édités ou même pas édités du tout. Découragé par tout ça, il finit par travailler dans une boîte de jeux vidéo. À peine un an plus tard, il est remarqué par un éditeur pour Gloom Cookie, une série d'histoires courtes sur la communauté gothique qu'il a imprimé en nosedé lui-même la nuit à son bureau. Et il a eu raison car le succès est au rendez-vous. Il quitte son boulot, sûrement avant de se faire virer pour tout le papier qu'il a utilisé, et crée Courtney Cremeray lors d'une nuit d'insomnie. Publiée chez Akileos en France, la série compte 6 tomes et 2 hors-série, et elle est terminée. Il y a même 2 intégrales si vous préférez. Et c'est marrant parce qu'il y a un des 2 hors-série qui s'appelle la Ligue des Gentlemen Ordinaires. C'est vrai, Bois 2, mais dis-moi, c'est trop ouf comme anecdote. Bah oui, parce que Alan Moore, le prix Eisner, on en a parlé juste avant, c'est dingue. Alors, Courtney Cremeray, c'est l'histoire d'une petite fille et ses parents qui déménagent dans le manoir de leur riche oncle, Aloysius Cremeray, car ils n'ont plus un rond. Mais la vieille bâtisse fait tache dans le quartier huppé et d'étranges rumeurs courent sur elle et son propriétaire. Hey, ça me rappelle un film. Oui, celui avec l'autiste paysagiste. Shut up! Alors que ses parents essaient de faire copain-copain avec ce bourgeois voisinage, Courtney est plutôt en plein cauchemar. Elle n'est pas et ne veut pas s'intégrer auprès de ses petits et péteux camarades. Et des cauchemars, elle en fait. Elle voit des monstres qui l'observent la nuit. Mais est-ce vraiment des cauchemars? Livrée à elle-même, elle va découvrir en farfouillant dans le manoir que ses rumeurs et ses visions sont bien vraies, et apprendre sur le tas la sorcellerie et l'occultisme. Ça fait un peu Harry Potter dans un film de Tim Burton. Oui, mais avec la fille de Krillin. Parce qu'elle a pas de... Elle a pas de nez. Oh putain, c'est vrai, elle a pas de nez. Mais il est où son nez? Qu'est-ce qu'il fait? Ah, il s'est lancé dans la pub. Nez doux. Nez moelleux. Nez sauvé. Eh bien... Hormis le fait que c'est un nom de merde, Sandek Cremeray, ça me fait penser à une marque de Médoc contre l'impuissance. C'est une très bonne série, chaque tome est découpé en plusieurs chapitres relativement indépendants. Le tome 1 pose les bases de l'univers. Courtney va devoir lutter et cohabiter avec les choses de la nuit, mais elle se rendra vite compte qu'elle est plus à l'aise avec elle qu'avec ses camarades de classe ou ses propres parents qui font de la figuration dans sa vie, comme dans la BD. Le plus ouf, c'est que tout ce bordel fantastique et flippant est immédiatement accepté par la petite fille car elle répond à une logique.
dangereuse et pas toute rose, mais logique, contrairement aux hommes qui sont bien plus craignos. Le dessin de Ted est également une réussite. D'ailleurs, j'en ai pas parlé tout à l'heure, mais il a illustré quelques cartes Magic pendant ses années de galère. Mais si, vous savez, le jeu de cartes pour les gros nerds, là. Shifumi Lézard, je commence. Mince. Je mets un terrain, je l'engage, et je mets mon gobe laviaire aux yeux rouges. Non, je peux pas, parce que moi je mets ça, et je mets Jean-Jacques Michou, et du coup, bah ça fait ça. Pas possible, je le booste de 20 en sacrifiant ma chaussure. Ah mais non, je fais ça, j'enlève mon t-shirt. Je sacrifie ta bibliothèque. J'ai gagné. Belle partie. Bien joué. Son dessin en noir et blanc a une redoutable efficacité, tout comme son découpage. Il s'amuse beaucoup avec les alpanes noires et ça me fait grave penser à du Mac Magnola. Je sais pas si vous voyez, mais Mac Magnola, il a fait ce petit truc-là, pas très connu, Hulbois. Bref, certaines cases et décors sont sublimes, regardez-moi ça. On regrette presque pas que seules les couvertures soient en couleur. En gros, un dessin qui a autant de caractère que l'héroïne. Comme moi, c'est une femme, une vraie. Non, c'est une petite fille, elle a même pas de seins. C'est même pas des vrais. Je m'en fous, être une femme c'est dans la tête avant tout. Comme je l'ai dit avant, le tome 1 n'est qu'une intro. Il est déjà fort sympathique, mais la qualité et l'intérêt augmentent d'album en album jusqu'à l'explosion dans le tome 6. Le tout aborde beaucoup de thèmes comme l'exclusion et la cohabitation de manière peu courante, car la Courtenay est loin des personnages stéréotypés habituels. Elle est colérique, agaçante, pince son rire et surtout imprévisible et attachante. Le seul reproche qu'on pourrait faire à l'œuvre est son univers peu original. On retrouve tous les grands classiques du genre loup-garou, vampire, gobelin et tout le toutime, mais ça permet à l'auteur de ne jamais rien expliquer et c'est plutôt plaisant. Voilà, je ne sais pas trop quoi dire de plus. Je vais donc finir avec une parenthèse gnangnan d'encouragement. Ted Nefé est l'exemple type du mec qui en a chié, mais qui n'a rien lâché avant d'en arriver là. Vous allez me dire que c'est le cas dans beaucoup de domaines, mais là je cause de BD. Alors zut, faites comme lui. Ne lâchez rien, car c'est peut-être vous l'auteur du prochain Scott Pilgrim ou Courtney Crumrin. Et n'oubliez pas que même les centres commerciaux ont des escalators. Do it! Et mangez des frites! Shifumi! Lézard, je commence! Vite. Je mets un terrain, je l'engage, et je mets le gobelin rouge aux yeux bleus! Non, parce que moi je fais ça, et ça fait ça. Voilà. Pas possible! À toi. Je sacrifie ma chaussure!